ça. Aujourd'hui, la mission, c'était de circuler dans un TER entre Châtellerault et Les Ormes, afin de voir s'il n'y avait pas des trafics de stupes qui pouvaient, ou voir des usagers de stupéfiants qui circulaient à bord de ces trains. Donc là, la mission a porté ses fruits, puisque bon, on a trouvé un consommateur avec une détention de 4 grammes d'herbe, de cannabis. Donc une procédure va être faite. Et par ce titre, on va réitérer l'opération à plusieurs reprises durant les mois de vacances, justement pour essayer à combattre un petit peu ce fléau. Donc ça pourrait être étendu par la suite ? Oui, je pense. Ouais. Allez, avancez. C'était dissimulé là-dedans. Et on retrouve. Oh putain, j'ai des bombes. Sur le dos, c'est bien. Mais... Pourquoi vous savez même pas ce que vous transportez? Ah non, mais là, c'est bien ce que je vous dis, c'est pas volontaire. Voilà, il y a une tête d'herbe. À l'intérieur. Sur la poche, et monsieur il nous sort ça, il ouvre ça, là dedans, il y a pas grand chose, voilà. Et on n'a pas tout fouillé. Tour, votre téléphone, est-ce que vous avez un portable? Oui. Dans le but de rechercher du stupéfiant, votre fils a été contrôlé avec de l'herbe de cannabis. Ouais, donc une petite dose, hein, il y a environ un gramme. Donc je vous informe, c'est les mineurs, donc je vous tiendrai au courant par la suite. Donc il a accepté de nous suivre, hein, mais pour le moment il n'est pas en garde à vue. Angie, il ne peut pas. Dedans. Je pensais qu'il allait voir.